Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo annonce où je vais vous parler de la compétition Jorvik League Donc qu'est-ce que c'est Vous avez sûrement tous euh, ou pas mal d'entre vous connaître euh, mon ancien serveur de concours qui était la fédération de concours in-game de Jorvik qui malheureusement suite à gros soucis avec des membres a dû fermer puis, c'est vrai que ça me manquait parce que c'était un gros serveur qui tournait plutôt bien. Il y avait pas mal d'inscrits aux compétitions, c'était agréable et tout. Mais il y a eu quelques personnes qui ont mis un peu la pagaille, du coup, il a fallu le fermer avant que ça aille trop loin. Après des semaines et des semaines de réflexion, j'ai décidé de réouvrir un serveur de concours in-game nommé la compétition Genre Week League. Alors, à votre arrivée sur le serveur, du coup, vous n'aurez accès qu'à la première catégorie qui n'est que autre que la catégorie générale. Pour avoir accès au reste, il faudra lire le règlement, l'approuver en cliquant sur la réaction euh, tout en dessous du règlement et vous présenter dans la catégorie licence en y mettant par exemple votre pseudo SSO, votre niveau sur le jeu, votre serveur de base, votre âge. Vous pouvez mettre une tranche d'âge, par exemple, si vous avez 15 ans et que vous ne voulez pas être 15 ans, vous pouvez mettre que vous avez entre 13 et 16 ans, par exemple. Voilà, c'est juste pour voir un peu au niveau de maturité. Aussi, essayez de mettre votre galop ARL ou votre niveau IRL en équitation si vous en faites ou non, afin d'expliquer de plus ou moins les. Par exemple, sur le dressage, si vous montez pec, vous que vous ne savez pas ce que c'est une demi-volte, qu'on puisse vous l'expliquer, que vous ne soyez pas perdu. Et si vous avez des trucs à préciser, mettez-le, sinon ne mettez rien. Vous êtes de toute façon ma présentation dans un premier lieu. Suite à ça, il vous faudra patienter pour qu'un administrateur ou un modérateur vous donne le rôle de cavalier. N'oubliez pas dans votre présentation si vous voulez être juge de le mettre et que et si vous ne voulez pas vous ne vous le mettez aussi vous ne voulez pas être juge voilà vous, vous écrivez par exemple, juge et vous mettez à côté oui ou non d'accord rien de bien compliqué comme ça si vous êtes juge vous pourrez aussi juger les concours auxquels vous ne prenez pas part. J'ai aussi pris la décision pour le moment que je serai la seule à organiser des compétitions. Par contre, vous pourrez les juger. Si j'organise un CSO auquel je souhaite participer et que vous souhaitez le juger et non y participer, il n'y a pas de problème. Les règles sont très simples. Du coup, je vais vous citer les règles générales. Du coup, tous les propos injurieux, grossiers, haineux, discriminatoires, racistes, Homophobes et autres pouvant porter atteinte au bien-être d'autrui sont interdits et seront sanctionnés d'un bannissement immédiat. Tout comme le mauvais comportement lors des compétitions, si vous critiquez tout le monde, que vous êtes tout le temps en retard, que vous vous en fichez, que vous ne prenez. En fait, vous êtes juste là comme ça, mais ça ne vous intéresse pas, vous serez exclu ou quoi que ce soit. Aussi, il y aura un salon vocal qui est le salon des juges. Il y aura interdiction si vous êtes cavalier ou public d'aller dans ce salon. Il sera vraiment réservé au juge pour qu'il puisse décider entre eux ou lui tout seul des résultats. Si vous êtes participant et que vous allez dans ce salon, vous serez éliminé sur le champ. Ok, jusque-là tout est clair. Du coup après il n'y a pas il n'y a pas grand chose à ajouter. Hein les compétitions, donc les concours organisés il y a le salon compétition, et il faudra s'inscrire dans le salon inscription avec le formulaire demandé que nous puissions vous ajouter au listing. Du coup voilà, après si tout se passe bien, peut-être que certains membres que je connais ou qui sont vraiment en clean, ils sont actifs, ils ont un bon comportement, pourront eux organiser leur compétition. Mais pour le moment, ce ne sera pas le cas. Je préfère rester la seule à pouvoir en organiser afin que tout se passe correctement et qu'il n'y ait pas eux cinq concours un même dimanche ou un même jeudi ou quoi que ce soit et qu'il n'y ait pas trop de concours toutes les semaines. Ce serait bien qu'il y ait un ou deux concours par mois maximum, afin que ce ne soit pas la foire. Si vous avez des questions, ne vous en faites pas, vous avez le salon foire aux questions qui est fait pour ça. Un membre ou quelqu'un de l'équipe pourra vous répondre facilement et plus rapidement. Merci de ne pas poster, poser vos questions au AMP à un membre de l'équipe ou à moi même. Par ailleurs, la publicité pour vos chaînes YouTube, etc. est strictement interdite. La seule publicité tolérée, et encore ce sera si vous postez euh, une photo du concours sur votre compte Instagram Star Stable. Là, vous pourrez la partager, il n'y aura aucun souci mais les publicités pour les chaînes YouTube, etc. sont strictement interdites. Sinon, ai rien à ajouter à part que le lien du serveur est en description et que j'espère vous y revoir très très vite afin que nous puissions tous ensemble participer à des compétitions dans la joie et la bonne humeur. Ah, ben oui, parce que la bonne ambiance, la joie, la bonne humeur et le plaisir sont primordiales. Si vous participez à Rouhou, que vous soyez premier ou dernier, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Le principal, c'est de prendre plaisir sur Star Stable tous ensemble et de partager des choses autres que des missions ou des courses. Startable en effet est un jeu qui a beaucoup à exploiter en plus de son jeu de base, donc avec ses missions principales et secondaires. Il y a plein de choses à faire. Nous pouvons faire du roleplay, de la compétition, etc. Il y aura vraiment toujours des choses intéressantes à faire sur ce jeu. Donc voilà, n'oubliez pas si vous voulez rejoindre le serveur est en description. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao!